L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ. Nous comptons maintenant pour nous ensemble avec vous. Yon lot fwa pou nou pote emisyon rekonfor matinal pou ou. Nou konen depi mouman sa arrive, se yon sel emisyon, son sel kote ou dwe konekte ou se sou Radio Télémotivation Spirituelle avek zami Vladimir Michel pou rekonfor matinal. Yon emisyon kap ede ou, yon emisyon kap bakop ou, yon emisyon kap permette ke ou emmagasine an pil bon bagay. Yon émission qui l'a pour lui fortifier la vie. Radio Télémotivation Spirituelle, nous connaissons déjà son radio haïtien qui trouvait lui en République Dominicaine, mais qui couvre tout le monde là. Quel que soit côté dans le monde là, ou cap juste taper sur Google Radio Motivation Spirituelle ou après toute plateforme ou capable brancher yo. Et puis ou capable aller tout sur www.radiomotivationspirituelle.ga. G-A. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur la majorité de plateformes qui sont populaires. Avant de rentrer dans l'émission, on va aller côté Seigneur, on va prier. On va prier Dieu pour être capable de faire route ensemble avec nous. Pas oublier, nous toujours écrit non ou et. Bon, alors voyez-nous avec but prier ou sous un numéro qui est affiché sur écran, ok? Voyez-nous avec but prier ou dans un numéro qui est affiché sur écran pour nous-mêmes nous capables de backup ou pour que nous capables aider ou dans la prière, ok? Pour nous capables aider ou dans la prière, nous espérons que ou même ou pas comprendre et nous espérons que vous pas capable rester connecté ensemble avec nous pour capable suivre émission yo et puis nous même pour nous capable backup dans la prière tout parce que nous connaît la prière pas gain rien li pas café et la prière c'est clé li l'ouvrir toute porte et si vous pas comme ça et bien quittez me dire ça mais si vous te connaît déjà et bien moi rappeler ou ça la prière li capable fait toute bagaille. OK, la prière c'est clé, la prière c'est normalement yon bagay ko besoin pour capable eh bien aller, c'est un moyen de communication. La prière c'est un moyen de communication pour ou même ou entamer l'on besoin parler avec Christ, l'on besoin entrer dans relation avec Christ, ben ou utiliser la prière, c'est ça qui est important pour nous toujours être connecté en tant que frère, en tant que chrétien, nous devons toujours être focus dans la prière. Allons prier le Seigneur. Dieu, encore une fois, ou même qui premier, ou même qui chien, ou même qui roi, ou même qui c'est l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, nous approcher devant ton trône béni, on a le sabon, Dieu, merci. Merci infiniment parce que tu prends en charge de nous pendant, Seigneur, soirée. Hein. Merci parce que tu étais connecté ensemble avec nous. Merci parce que tu es sécurisé nous. Merci Seigneur parce que tu es gardé nous. Parce que dans la même soirée, ça y a des gens qui ont dormi, qui pas levé. Il y a des gens, Seigneur, qui t'es couché dans la même heure ensemble avec nous, mais qui pas joué une chance pour réveiller matin. Hein. C'est ça que nous avons dit. Merci parce que tu voyais les anges ou tu voyais le cortège céleste là, viennent sécuriser nous. Nous disons merci infiniment. Merci pour chaque grand ami captain de nous qui levé en bien. Merci pour chaque grand ami captain de nous qui détend pour aller dans l'activité. Merci pour chaque grand ami captain de nous qui a envie de respirer. Qui, Seigneur, et bien, gon force matin, hein, qui a puissance matin, hein, qui a onction matin. Hein. Et nous disons merci. Et nous demandons de bénir journée pour nous. Protégez-nous pendant la journée en personne. Aidez-nous, Seigneur, dans tout ça, nous entreprenons, dans toute activité, nous, dans tout ça, Seigneur, que nous-mêmes, nous prenons le fait, nous prenons le contrôle pour nous. Et pas quitter nous faire rien, Seigneur.
sans volonté ou. Et nous demandons que tout ça n'a fait refléter volonté ou. Depuis ce n'est pas un bagage qui a reflété volonté ou, Seigneur. Nous demandons de mettre une barrière. Nous demandons, Seigneur, pour ne pas quitter le fait. Pour stopper toute action que nous allons poser qui compte en volonté ou, Seigneur. Et dans le ça, nous demandons de prendre contrôle. La vie chagrin, nous amis qui attendent nous. Spécialement, la soeur Charline Philippe, Seigneur. Nous demandons de prendre contrôle la vie. Bénis le Seigneur. La soeur Nadège Paul, Seigneur. Nous demandons d'aider lui. Backup lui, passer ensemble avec lui, ou qu'on besoin lui, ou qu'on est Seigneur dossier lui, et n'a pas nous pour agir pour lui, agir infiniment Seigneur, pour chacun des amis qui est branché aux États-Unis, la sœur Irmine Blanc Seigneur, n'a pas nous agir pour lui, la sœur Régine, Régis Betty Seigneur, dans le pays Brésil, n'a pas nous ou capable bénir lui, passer ensemble avec lui, la sœur Julanda en République Dominicaine Seigneur, n'a pas nous dans le ça, prendre contrôle la vie lui, passer avec lui, prend dossier lui en main et nous connaissons le Seigneur à faire lui et nous demandons de faire pour nous Seigneur, pour gloire ou faire pour nous Seigneur, pour témoignage capable de mener le monde à la repentance, pour témoignage capable de réconforter le monde et nous comptons sur vous, nous comptons sur vous, Dieu vivant, nous comptons sur vous, cher Seigneur. Et nous avons été ensemble avec nous. Nous prions personne, pas pour la qualité de monde qui dit ni bon, mais nous prions dans le nom de Jésus qui a régné de maintenant et pour toujours. Merci Seigneur. Merci à Jéhovah Dieu. Nous disons bon Dieu merci encore une fois parce que les bonnes opportunités pour nous là. Et toujours derrière micro, ces amis, Vladimir Michel qui est là, un serviteur ou pour porter réconfort matinal pour vous. Jodi an la nou pri ale autour de Texas, mais avant même nous qu'on informe nous penser du jour là. Eh bien penser journée hein, si nous joignons dans yon rubrique que Radio Télé Motivation Spirituelle lui-même lui présenter qui c'est Vladi Motivation Spirituelle, c'est numéro 1 hein, si la pensée numéro 1, les croyants auront des tribulations dans le monde. Mais la foi en Jésus nous permet de triompher au milieu des tribulations. Ma propre pour nous penser, les croyants auront des tribulations dans le monde. Mais la foi en Jésus nous permet de triompher au milieu des tribulations. Le fait que les chrétiens ne pensent pas que ou pas besoin de problème. Il y a des gens qui croient que depuis qu'ils ont rejoint Christ, les problèmes de la vie, ou pas faire face ensemble avec eux. Bon, je vous dis, ou alors, vous avez une crise, diable pas de pouvoir sur vous, diable pas de monter, j'en l'ai, diable pas de faire tout ça, diable pas de faire des bagages qui comptent volonté, bon, et diable pas de commander, bon, je vous dis comme ça. Lorsque vous avez une crise, ou pas sur, diable pas de passer l'ordre. Bon, voici, voilà, diable pas de passer l'ordre. Lorsqu'on joue une crise, diable pas capable sur l'ordre. Mais les problèmes de la vie, on fait face ensemble avec eux. De 3 semaines sans l'argent, on fait face ensemble avec eux. C'est pas diable qui fait ça, hein? Ou besoin d'un caille, ou pour qu'on gagne moyen, c'est pas diable qui faut pour qu'on gagne moyen. Ou besoin de travail pour gagner. Ça, c'est des moments côté que vous allez réfléchir. C'est des moments si vous manquez la foi ou qu'à quitter Christ. Ou besoin petite, ou pour qu'on gagne petite là. Ah mais ça aussi des problèmes tout, hein? Ça, c'est des problèmes. Ou besoin de timon, ou bien l'argent, c'est vrai. Ou besoin de timon, ou besoin de prier, rester dans la foi. C'est des moments. Et comme ça, tout, yon ka persécuté ou dans une zone que vous yé, ou ka subi des persécutions. Hein, pour la parole de Dieu, pour la cause de l'évangile. Et bien là, yon aussi des tribulations dans le monde. Pour ne pas confondre, on ne pas confondre tribulation ça avec la grande tribulation côté que. Et mon qui l'église en lui-même elle fin enlevé par la grande tribulation, c'est deux bagailles qui contraire, OK, c'est pas même bagaille que yo yé, OK. Maintenant tribulation aussi ensemble des épreuves que ou même ou pas vivre pendant que ou chrétien pendant sous terre, pas des chrétiens qui pas éprouvé, hein, pas des chrétiens qui pas passé en bas ou l'eau Christ là. Des fois qu'on fait bagage qui pas bon Christ passé ou l'eau en sous son épreuve son tribulation que lié. Eh bien pensez en dit nous chrétiens yo y a gagné pour yo joindre des tribulations. Mais alors dans monde là, mais ça qui sûr et certain,
c'est que avec foi que vous gagnez en Jésus-Christ, OK? Avec foi que vous gagnez en Jésus-Christ, vous pas été emporté par tribulation, il y a surmonté, il y a triomphé, il y a sorti la donne. C'est ça le commit dans tête ou même cap tande m là. Pas penser que vous pas vu un petit problème. Pas penser que eh bien moi qu'arrivé, pas penser que moi qu'arrivé là, eh ben ou pas jeune comme là, ou capable jeune comme pour payer caille là. Pas penser que tout bagaille va aller rose, pas jeune un petit problème. Qu'il y a accident hein dans la vie, qu'il y a accident, qu'il y a petit ou non dans foyer yo même qui marié. Pas penser que ça yo pas venir et là yo venir tout pas ma tête tout problème. Les ovinis c'est fort pour agir. Les ovinis c'est code bon Dieu ou même pour aller pour dire bon Dieu. Eh bien, ça a passé comme ça. Pour dire bon Dieu, aidez-moi. Pour dire bon Dieu, prends soin. Pour dire bon Dieu, passez ensemble avec moi dans l'épreuve là. Hein? Dans l'épreuve là. Ou bien lorsque son châtiment l'on fait bon Dieu, bagay qui mal. Reconnaître qu'on fait et puis aller sous genou, demander le pardon. Il est digne, il est prêt hein, pour le pardonner nous. Et ça fait m'a dit ou penser un jour dit en l'hypothèse li vini comme ça croyant yo capable joindre tribulation yo pral joindre tribulation dans monde là mais foi que yo gagné parce que yo croit dans Jésus-Christ il a triomphé il a porté victoire il a surmonté difficulté sous t'es en bas en difficulté sous ton ou des moments terribles qui te dit en ce moment ou capable de triompher ou besoin agir la foi. Identifier est-ce que son épreuve ou bien son châtiment. Quel que soit tes épreuves ou bien châtiment, ou besoin lutter avec une foi ferme pour capable sortir la donner. C'était pensé. Hein. Maintenant, nous allons directement dans le verset de la journée et c'est à partir du verset ça, nous allons être capables de porter quelques conseils pour. Il y a un verset que tout le monde, pas dit tout le monde, majorité de monde captant les là connaît. Je toujours répéter. Il y a un verset qui dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Romains chapitre 8, le verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » dessin. Elle m'a rappelé moi pendant confinement Team Magic Group qui c'est une troupe côté que nous fait mini série, nous t'es venir avec une mini série qui t'a gagné pour titre toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, nous t'es gagné plusieurs épisodes qui t'es en sorti, mais malheureusement projet t'a pas campé. Parce que nous avons eu plusieurs difficultés, surtout nous connaissons le coronavirus. Bien que c'est pendant que nous avons eu un projet, hein, mais le projet d'abord le font camper, bon, jusqu'à maintenant le camper, parce que nous avons pas cacher des vidéos, question de toquer des quédas, et puis nous avons eu un petit problème encore, ça a été grand que le projet lui-même le camper. Côté que, histoire que nous t'avons fait passer, bon, pas expliquer parce que le projet a continué. Ok. Bon, bah, un petit bref, bon, bah, une idée brève de ça que nous devons faire passer dans le feuilleton. Hein. Ok. Maintenant, c'est un monde qui a besoin de persécution. Un monde côté que lui-même il travaille. Et puis, notre travail, il y a une promotion. Mes amis, comment c'est vin parler ensemble avec les amis, comment c'est vin gain jalousie parce que les gens une promotion. Mais ça y a toujours arrivé. Dans la vie, ça y a toujours arrivé. Côté que ou travail ou jeune promotion parce qu'on bien travaille. Ou jeune promotion parce qu'on fait ça, on fait bien. Parce qu'on apprend ou travaille ou fait bien. Mais il y a des gens même qui ont chita, ils ont pas pris rien, ils ont essayé de faire une promotion. Lorsque ce n'est pas eux, ils ont raillé. Mais lorsque ça arrive, pas mal de problèmes. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais pour aimer bon Dieu, tout ça qu'a fait, eh bien, bon Dieu, il contrôle. C'est bon Dieu qui a dirigé, nous pas besoin de peur. N'importe ça crivé dans la vie, n'importe coup la vie en fait ensemble avec vous, eh bien, c'est parce que Dieu lui-même lui permet ça, il contrôle la vie. Ok?
Ça veut dire, ou même qui remet Christ, ou même qui accepte Jésus, qui marche selon parole, qui marche selon volonté, ou pas besoin de peur pour rien, parce que lui-même, il a contrôle toute bagaille. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ok? Eh bien, nous t'avons rejoint que, eh bien, propres amis demoiselles, hein, t'as pris un poison. Mais malheureusement, il n'est pas mort parce que bon Dieu t'a gain contrôle. Ok? Bon Dieu t'a gain contrôle, ouais, depuis ou pas l'attaquer moun. Depuis ou faire respect, depuis ou pas le fourrer mon côté, ou pas de bruit, fourrer. Depuis si pas ou faire négligence en même, on n'y a pas pris. Et il y en a parfois où bon Dieu qu'on fait des bagailles pour gloire, il qu'on fait des bagailles tout. Bon, nous connaissons bon Dieu comment il est. Ça qui arrive et tout, bon Dieu tellement aimé ou. Gon faut que ou même ou te fait incrédule ou ta la dani, mais quand même li font façon li gérer ça. Même pas jamais encourager moun à faire ça pas bon. Pas jamais encourager moun à faire n'importe bagarre parce que connais mon Dieu va le délivrer ou on connaît mon Dieu nan puissant et l'a me délivrer. Non amis, ou planifier péché. Hein? Gen moun ki planifier péché en même qui just dit ah ben OK, est-ce que tu connais des moun qui m'a dit pardon même avant y'a le péché. Moi sont dans un monde comme ça, moi invite Kounya là changer changer métier, sortir dans soyer en lui pas bon. Si vous convertis, si vous êtes de nouveau ou pas qu'à pratique ça. Il y a monde va faire tel bagaille là, mon Dieu, mande pardon qu'on est fort. Non, pas bagaille ça. Pas dit chrétien par accident pas péché non, mes amis, pas planifier péché, hein. Pour arriver dans corps fou. Ou selon ou même selon l'homme selon manque de capacité ou des bagages ou pas qu'à résister ou tomber dans bagages ou pas qu'à arrêter la donne hein ou pas qu'à et planifier ou pas tomber dans telle chose non ça c'est pas bon ok il pas bon et bon Dieu lui-même il capable pardonner ou mes amis bagages là pas bon pour tabler il y a des conséquences qui graves même là j'en pardon pour un péché il y a des conséquences qui vraiment graves que m'pa ta souhaiter personne monde et bien passer en bas ou l'eau Christ OK l'important pour nous arrêter connecté il y a des monde qui pense son bagaille de nous il y a des monde qui a envie faire nous un bagaille mais lorsque bon Dieu campe il pas ta faire mais lorsque même ou fait incrédulité ou essayer aller en contre de ça la Bible dit amis ou vin ridicule ou vin yon moun ki reme péché ou vin yon moun ka bay diable gloire laisse ça ou baisser et bien ou descendre bon Dieu là ou descendre bon Dieu là parce que choisi bay diable gloire toute le fois fond bagay ki pa nan volonté bon Dieu c'est diable honoré c'est adversaire nan honoré c'est satan honoré. Il a fait suspendre l'honoré Satan même capitaine là. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, mais c'est pas lorsque ou même ou qu'on est bagaille pas bon choisi fait. Ou qu'après fait bien, ah ben mal paraît. Ou non, on va poser la question pour que ça c'est mal paraît et pourtant c'est bien motivé pour bien. Ou qu'a pas contre cause là, mais puis devant gal connel. OK, puis devant on gal connel parce que bon Dieu par jambe agit et sans besoin. Qui est-ce qui concerné par promesse ça même, toute chose qu'on croit bien de ceux qui aiment Dieu. Et bien, apôtre Paul, il t'a parlé avec chrétiens, des chrétiens véritables, des chrétiens authentiques, monde qui restait au pied du maître malgré problème, malgré calamité, monde qui restait connecté sur mon Dieu. Moun ki né de nouveau, moun ki blie passé yo, moun ki blie mauvais moment yo, moun ki blie ça t'a fait qui mal yo. Mais c'est pour eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui concernés par promesse ça. Moun qui recevra don Saint-Esprit, hein? Moun qui remet bon Dieu. Hein? Moun qui rete dans plan bon Dieu, c'est eux-mêmes qui concernés par promesse ça. Ma konnen a parlé tout ça on dit là, yo est-ce que concerné ou hein? Yon moun ki reme bon Dieu, yon moun ki né de nouveau, yon moun ki kite bon Dieu façonnel, yon moun ki krasé réellement la caille bon Dieu. Par contre, est-ce qu'on fait partie de moun sa yo que m'a dit là? Moun ki reme bon Dieu, moun ki gon bonne relation avec Dieu,
Eh bien, moun sa, soit moun qui toujours en bonne communication. Moun sa, li toujours en bonne communion avec bon Dieu. Li demeure dans Jésus-Christ. Eh, moun sa, c'est bon moun qui vit dans le péché. Ça, li très important. Yon moun qui remet bon Dieu, li pa ka fait péché zan mil. Yon moun qui remet bon Dieu, la toujours bat pou le pas tomber dans le péché. Et si toutefois, il t'a tombé dans le péché, li pa prêter la donne. C'est pas un monde qui a pratiqué le péché. C'est pas un monde qui a toléré dans la ville péché. Car aimer Dieu consiste à garder ses commandements. D'après 1 Jean chapitre 5 à 9 verset 3. Ou besoin, fais bon Dieu et confiance. Ok? Bon Dieu est capable de bénir et faire bien dans la vie nous. Ok? Avec ceux qui sont bienveillants, toi tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé. Tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Psaume 18, à partir de verset 26. Bon Dieu, voilà. Il a pouvoir pour faire tout le bagage, il est capable de faire. Il est capable de faire. Il est capable de faire, mon Dieu. Il était capable de fier sur le champ. Même si ça a qu'on fait autrefois. Il est bon, le faut prendre conscience. Mais si vous voulez rester dans l'ignorance, vous ne pouvez pas prendre conscience. Fiel, vous pétez. Et ça fait un bataille, mais fiel nous pété. Un bataille, mais des gens qui ont été là pour arrêter dans l'ignorance, pour arrêter ah ben, à pratiquer des bagages qui ne sont pas bons. Et puis pour un moment arriver, pour tenter de passer de la vie à la mort. Pas oublier. Ça qui arrive, mission, puis nous mourir. Ça qui arrive tout en enlèvement de l'église, tout dépend de plan bon Dieu sous la vie, ou même pas qu'on est. Ça dépend de plan bon Dieu sous la vie, ou même capitaine de là. Si bon Dieu voulait ou vivre longtemps, ou vivre longtemps. Si bon Dieu voulait ou vivre un moment, ou vivre un moment. Tout bagaille dépend de Dieu lorsque l'on marche selon volonté. Et bon Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si on aime bon Dieu, si on pratique eh bien, les œuvres de Dieu ou en bonne relation ensemble avec lui, tout ça qu'a fait, c'est eh ben la volonté mon Dieu qu'il a fait. Eh bien, pendant la période que ou pas aimer bon Dieu hein, en tant que chrétien, eh bien, pendant la période ça, en pile bagaille qui arrive sur la vie. Pendant la période que ou même ou choisi vivement péché, hein, ou choisi de tourner sur la voie du salut, en pile bagay qui arrive, la mort qui passe prend. Yon maladie qui passe prend. Laisse ça. Ou pral tourner pour venir confesser péché, ça qui va besoin faire. Et si vous mourir dans le péché même, pral grave pour vous. Pral grave pour vous. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas convertis, qui pas des gens qui sont l'église, qui ne sont pas convertis. Ils viennent juste chercher un secours, qui viennent jouer, ils viennent chercher un paix, même gens et foule là, ils viennent chercher peine à mes bon Dieu. Même gens foule là, ils viennent chercher crasse, ils viennent jouer, ils viennent jouer, aller. Mais en vérité, il y a pile là-dedans qui ne sont pas convertis, il y a pile là-dedans qui ne sont pas convaincus, il y a pile là-dedans qui mangent. Alors, ils sont convaincus pour qu'ils viennent manger, mais ils ne sont pas convaincus et que Seigneur est capable de faire tout le bagage, de continuer. Agit. J'appelle le monde qui font ça. Ils viennent en crasse la caille Christ, ils finissent joindre ni. C'est pas grâce Christ qui intéresse eux. C'est pas une onction qui intéresse eux. C'est pas un niveau de foi qui intéresse eux. Mais c'est quelque chose matériel qu'ils ont besoin. C'est quelque chose pour qu'ils prennent soin de votre qu'ils ont besoin. Bah dit qu'ils ont pas besoin de bagaille pour maintenant votre là. Ou besoin de manger. Parce que le corps physique là, les besoins nourris, les besoins soins. Ok? Eh bien, pour joindre soin ça yo ou chercher ou travailler et comme ça bon Dieu voyer des monde sur tout mais pas jamais été pour faire paris pour dire bon Dieu voyer ou pas chercher non il faut chercher OK ça veut dire dans sens ça il y a un monde qui pas rien bon Dieu il y a un monde qui dans période d'ignorance en pile qui bagaille qui arrivé et parmi bagaille ça yo l'amour qui a passé pour les ça amis
ou pas de gêta confesser péché ou pas de gêta prendre Christ bagage grave vous allez directement dans la salle d'attente de l'enfer pourtant eh bien enlèvement de l'église pourtant moment pour aller dans la chaîne. Ça fait important chaque monde qui attend de là rester ferme pas jamais passer un moment en dehors de la présence de Dieu. OK, agis fort. OK, lorsqu'on aime plus Dieu qu'on tolère des compromis dans sa vie de foi. Quand on joue avec le péché, quand on joue à être un chrétien, eh bien, ça peut être très très très, eh bien, je peux dire très très dangereux pour vous. Ça a causé un pile problème. La parole de Dieu nous enseigne que Dieu résiste à ses chrétiens en permettant l'adversité et les situations d'échec. Ce qui leur arrive n'est sans doute pas très agréable, mais visa à les ramener vers Dieu et concourt donc à leur bien. Il y a des moments qu'on arrive. Il y a des moments qu'on arrive en même. Eh bien, c'est parce que bon Dieu raille. C'est parce que bon Dieu pareil. C'est niveau foi. C'est un examen. Job 33. Ou encore, il corrige l'homme par la souffrance qui le tient sur sa couche lorsque ses os s'agitent sans arrêt. Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend ça? Ça dit là, hein? Des fois, mon bagage qui arrive, ou pensez son bagage mal qui arrive, mais pourtant, on a mal ça, à bord de mal ça, ouais. Gon bien, gon bagage qui prend sur la joue, gon bagage demain si Dieu veut qui prend utile. Au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix. De la justice. Des fois, pas de souffrance, les amis, pas de correction, pas de épreuve qui douce. Toutes ces tristesses, tout son moment de déboire. Mais plus tard, il va produire certaines choses que vous allez remettre. Il va produire du bon pain. Il va produire de bons fruits. Ok, ça veut dire ou pas besoin de tête au problème. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De pourquoi dans bon Dieu? De pourquoi dans bon Dieu? De pour d'accord marcher selon la volonté de Dieu. Quoi que j'en ai preuve, mais pas fait ici. Je te focus, même dans le cas de jeûner, même dans le cas de la prière, malgré le problème, qui est ferme. Pas marrer figo, pas mettre plein dans figo, pas des figo fainés. Être chrétien doit être toujours gay, doit être en gaieté, doit être en joie. Un problème. Et si vous à peine rejoignez nous là, vous allez suivre réconfort matinal sur la radio télémotivation spirituelle. Nous là pour nous réconforter là, pour nous back up. Et ou même qui besoin de la prière, ou même qui besoin de conseil. Contactez-nous dans un numéro qui est sur l'écran. Et nous là pour vous. Radio là pour vous. Et pas oublier de fonctionner 24/7. Nous pas jamais fermés. Ok, nous pas jamais fermés. Nous sommes toujours là pour nous. Backup chrétien. C'est notre mission. Et pas oublier, tout chrétien doit passer par épreuve. Ah ben, par ailleurs, tous les croyants doivent passer par l'épreuve du feu. La foi de chaque chrétien est testée dans la contrariété et l'affliction. Ou pensez que Dieu va tester fort? Ou pensez qu'il va tester? Eh bien, Dieu va tester fort par l'épreuve.
par contrariété yo. Ou ka ap sorti là, et vous oubliez un bagage, et vous va pété tout problème. Pourtant ouais somlier pendant retourner al chercher l'an. C'est les sont pral réaliser sous terreté machine ou t'a pral prendre puis devant t'a pral venir faire accident. Ou imaginons que pendant retourner al chercher l'an temps t'a pral ou temps retourner al chercher l'an son temps côté que bon Dieu épanoui de yon malheur. Côté t'es campéant quand tu t'es installé, une machine t'es capable de frapper, un malheur t'es arrivé, mais Dieu épargne, mais pour même vous pensez son mal. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Des fois les bagages arrivent, nous ben tête tout problème. Ou le travail là, il est révoqué ou pas ben tête tout problème. Pourtant sous terre t'es dans travail là, il t'es capable fait, il t'es capable faire violence sur, hein, il t'es capable harcèlement sur. Pendant le travail, malheur t'est arrivé. Il t'est quand même empoisonné, il t'est quand même tout. Mais bon Dieu, il t'a remarqué ça qu'il fait. Il faut perdre du job là. Mais pendant perdre du job là, tu ne vas pas à l'école. Pendant perdre du job là, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas payer. Tu n'as pas été ton problème. Mais plutôt, c'est pour un petit bout de temps. Plutôt, c'est pour quelques semaines. Plutôt, c'est pour quelques mois. Petit problème ça, yo. Mais ce n'est pas vie ou qui éliminé. On peut comprendre. Les moments arrivent, on peut comprendre parce que on perd du l'argent, on peut et bien avantage au perdu, relation au perdu, contact au perdu. Mais pourtant, vie est plus important que tout bagage ça. La vie éternelle est plus important que tout bagage ça. Et ça fait on doit vivre dans la foi, on doit croire dans mon Dieu, on doit lutter la caille mon Dieu. Par contre, tu comprends. Par contre, tu comprends ça qu'a dit là, hein. Il faut être très 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 spirituel pour comprendre. Et ça fait dit nous que des bagages nous pas comprendre avec Dieu charnel. Nous avons besoin de notion de la spiritualité pour comprendre bagages. OK, pour on Dieu tester nous, et bien c'est des contrariétés, c'est affliction. Toute souffrance surtout si elle est accueillie dans la confiance en Dieu et sans révolte contribue à notre sanctification. Oui. Tous ces examens divers contribuent grandement à notre bien. Tout ça y a contribué, avec bien. Et bien, même Jean dans Job 33, verset 14, il dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre manière. Mais l'on n'y prend pas garde. On peut donc dire qu'en toutes circonstances et dans tous les cas, de figure, tout ce qui advient à tout chrétien est vraiment pour son bien véritable et éternel. Pas de problème. Qui bien? Même poser une question ça. L'a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui bien même? Qui bien? Pas poser cette question ça. Qui bien la Bible parle? Lui qui bien même? Il y a des gens qui parlent toutes choses qu'on croit bien de ceux qui aiment Dieu. Mais qui est bien la Bible parler? Eh bien, laisse-moi vous dire, il s'agit évidemment du bien selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas bien selon volonté, l'ensemble, mais c'est le bien selon le cœur de Dieu. Ok? Ou quand les machines là, mais ce n'est pas dans le mouvement machine là. Ce n'est pas dans le mouvement pour bon Dieu baoul, parce que bon Dieu estime que c'est baoul dans le moment ça, ou qu'il faut accident mourir. Et machine ça, les capables de retirer la joie. Chaque vie a un problème. Chaque vie a un panne. Chaque vie a un problème. Ou est-ce que ça? Vous voulez c'est le besoin? Vous voulez que ça? Vous dites c'est le besoin? Et pourtant, il n'y a pas de cas où je ne peux pas vlogger, non? Je ne peux pas vivre dans le cas, je ne peux pas encourager la médiocrité. Être chrétien, c'est un presque ou ya, ou c'est petit yon ou ya. Être chrétien, c'est son grand ego, son grand femme que ou ya. Mon Dieu, pas ta tout le monde qui voulait pour être là, pour être qui va voir le travail, qui va vous faire succès. Il y a des chrétiens qui vont gagner l'argent, chrétiens qui vont être riches, chrétiens qui vont bien vivre, chrétiens qui vont être propres. Tout le monde sait que c'est la médiocrité à encourager. Tout le monde sait que c'est Satan le diable. Ok? Seulement, il est important lorsque vous même vous arrivez dans une position élevée pour pas orgueiller. Hein? Pour ne pas quitter orgueil pour tout aller, pour ne pas quitter arrogance, mais non. Hein?
pour tellement arrogant pour venir quitter route bon Dieu. Non, vous besoin plus sagesse, vous besoin plus humilité lorsque vous possédez plus et fortune. Et fortune ou yo, richesse ou yo, bien ou yo, yo doit au service des enfants de Dieu. Yo doit au service du royaume de Dieu. C'est ça. Moi, comprendre sa Bible, parler de chrétiens, il même, il doit y a un monde civilisé, il doit y a un monde qui a une possibilité, il doit y a un monde, même genre, ah, notre frère Abraham, t'es gagné en pile bien, il était béni. Chrétien doit béni, mais bénédiction de partager. Ok? Bénédiction de partager. Et bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et bien, bien ça, c'est bien qui selon la volonté de Dieu. Il y a des bagages au moins de bon Dieu qui parlent de volonté. Il y a des bagages au moins de bon Dieu qui parlent de moment au moins de l'an, c'est pas le moment où on a parce que le contexte n'a pas permis. C'est après qu'on a besoin. Il y a des bagages au moins de bon Dieu pour préparer pour lui. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, vous devez comprendre. Pas fait tête Dieu, l'homme de bon Dieu, on va pas jouer. Si moi de bon Dieu, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas dans la volonté, mais c'est parce qu'il n'est pas dans le mouvement? Bon Dieu qui a parlé ensemble avec vous. Comment ça, bon Dieu qui a parlé avec vous à travers l'autre monde? Mais tout ça qui est important, qui te parle ensemble avec vous à travers l'autre monde, qui te parle directement ensemble avec vous, ou besoin d'un esprit de discernement, ou besoin de rester dans une bonne relation avec lui pour comprendre ça le jour là. Okay? Parce que ça a besoin pour vous, ça a pour vous, c'est bon bagaille. Des fois, ça a besoin même, si on bagaille pour un moment, si on bagaille temporaire, mais ça, bon Dieu, vous pour vous, c'est une chose permanente. Ok? Ça veut dire, il est important pour nous vivre selon la grâce de Dieu, marcher selon sa volonté. Il est important de rester côté bon Dieu, mettez-nous en. Dans le pays sanier, hein, bah, on est vivre pour nous attendre là. Ou besoin de respecter les principes de la vie courante. Ou besoin de respecter les règles morales. Pas dire que c'est chrétien qui n'est pas gagné par fait. Non. Pas dire que c'est chrétien qui n'est pas participé dans les groupes. Pas dire que c'est chrétien qui n'est pas participé dans le développement pays. Ou pas participer dans des choses, dans des mauvaises choses. Ou pas participer dans des bagages qui wrong. Mais quand il s'agit des choses pour changer votre environnement, des choses pour changer votre pays, vous devez participer là-dedans. Yo. Là, pas fait, vous n'avez pas le temps de pas rien pour faire et pas rien déjà un cœur qui est dur. Hein? Vous n'allez pas penser pas faire n'importe quoi. Vous n'avez pas le temps de faire criminel, vous n'avez pas le temps de faire des choses et pourtant, ou même vous n'avez pas le temps de faire des choses, pas fait. Yo. Pas tant de monde qui peut faire. Ce qu'on a fait, c'est fait. Et by tête ou liberté, nous vivons avec un esprit restreint. Hein? Avec l'esprit restreint, ça que nous vivons là, et bien pas bon pour nous-mêmes. Chrétiens, nous capables, nous capables de changer une série de choses. Il n'y a pas que nous capables de changer, nous besoin seulement de faire bon Dieu confiance. Ok, ce bien selon Dieu comprend toutes les bénédictions matérielles. Dieu m'a dit de passer parce que nous avons parlé des biens selon volonté de Dieu. C'est des bagages spirituels, c'est pour chasser des démons seulement, pour faire des choses. Non, c'est pour aller prier. Non. Matériel, le bien matériel, là-dedans. Belle caille là-dedans, belle machine là-dedans. Qui est chrétien qui va t'arrêter une belle machine? Qui est chrétien qui va t'arrêter une belle maison? Hein? Qui est chrétien qui peut avoir une belle entreprise pour la fournir service, pour la bâtir le travail, pour les chrétiens jouer le travail. Ça fait m'encourager tout ministère, toute assemblée Jésus-Christ réellement, des assemblées qui suivent trace Christ, qui gagnent des entreprises pour aider fidèles au travail. Mais quitte ou non, si ça t'arrive, nous non, les mêmes proposer à l'église. Et Jésus qui s'appelle, et pourtant le bien à faire, c'est bien à faire la brigue, il va pas chrétien au travail, il va pas mettre ou bien être un ministère là, ou mettre quand il monte à faire par la fête, et pour tout le bagage à faire, c'est pour lui, tout le bagage à faire, c'est pour lui capable de jouer une blague, ou mettre qu'on est ça, bon, il a tout le bagage sauf chrétien. Il faut que nous soyons très prudents de yon, parce que dans une série de chrétiens Facebook, dans une série de pasteur, bon, pendant le moment confinement, pendant le coronavirus, tout le monde sur les réseaux sociaux, tout bishop, toute servante, tout prédicateur, tout prophète, tout apôtre, tout.
bagay yo gagne nan monde la, bagay yo gagne du monde. Et ça fait faut prendre pile précaution, faut pile prudence. Et là, quand tu téléphone, non, mais là, il y a accès à Facebook pour des live. Et tu as des colochés qui sont remplis. Tu as des gens remplis. Les gens parlent en langue. Ça va. Tu as le fait. Mais pour comprendre, pour être hein, pour capable de sonder le fait, il faut, faut vivre hein, dans une bonne relation avec Christ. Faut qu'on ait un esprit de discernement pour sonder le fait. Ça faut être prudent ensemble avec toi. OK, gien cap tout bon Dieu pas besoin matériel. Ça même ou pas prioriser bagaille matériel, yo chose matériel ou pas prioriser yo parce que la Bible dit toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai, mais elle dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et l'autre bagaille y a vini. L'autre bagaille a vini. Mais pendant y a vini, ça même faut préparer pour joindre yo. Hein? Y a vini. Mais c'est le royaume là pour chercher d'abord, après ça l'autre bagaille yo pour chercher yo. OK? Ou à l'école, oui, ou apprendre. Mais ou pas jamais déposer son CV, ou pas jamais aller bousquer travail, on dit tout bagaille là venir nous, la prête blipé tomber sur nous. Non, faut chercher quand même. Pour ça on dit bon capacité. C'est pour capable chercher, c'est pour capable faire mal le travail. Eh bien, Dieu prend plaisir à nous combler matériellement, à pouvoir à tous nos besoins. Hébreux 13, chapitre 1. Alors, Hébreux chapitre 13, le verset 5. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous ou que boirons-nous? Ou avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume des dieux et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Bon, c'est ça qui est important. C'est ça nous a dit nous. L'important pour nous, rester la caille bon Dieu. Les cadeaux divins agréables doivent nous encourager. Bon Dieu, ba ou belle bagarre ou besoin, gros bagarre ou besoin. Bon Dieu, ba ou mon besoin, faire confiance ou besoin rester la caille. Et bien ça yo inclut des bénédictions spirituelles, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien ça yo inclut des choses spirituelles tout. Les choses spirituelles comprennent la vie en abondante, la plénitude du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, un service béni et efficace, un vrai ministère à la gloire de Dieu avec des fruits qui demeurent en Dieu. Si vous t'as remarqué ou pas joindre bien ça, ou pas joindre bénédiction spirituelle, nous sommes dit là, à savoir la vie en abondante, hein, la plénitude du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Et l'autre samedi, on met chercher yo. Mettez genoux à terre, mandez yo, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, yo inclut tout bagaille ça yo. Ah ben, bénédiction ça yo dépend de qui est souillé. Hein? Comment marcher la caille, mon Dieu? Comment comporter vous? Ah ben, bien ça yo comprend tout. Eh bien, la sainteté. Eh bien, laisse-moi vous dire, ce que nous sommes est beaucoup plus important devant Dieu que ce que nous faisons. Pourquoi foncer des bagailles, débattre tout problème? Fait sacrifice, mais ou pas obéissant. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Des fois, sacrifice, on conseille des choses, mais on fait mal. Même si on conseille des gens qui prient, on prie mal. Ou besoin de faire bon Dieu confiance. Ok? Ou besoin de faire bon Dieu confiance pour ce qu'il a dit vraiment. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais, les problèmes y arrivent. Donc, on comment surmonter. Et la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification.
sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Vous n'avez que ça, pas vrai? Vous avez fait ça qui est mal, pas vrai? Et vous croyez que vous êtes béni? Vous croyez que le royaume des cieux est réservé pour toi? Non, mon ami, pas fait ça. Vous avez besoin de chercher, sanctifier la route, chercher, approcher de Dieu, et puis plus pour capable. Et pour capable d'héritier bagaille ça. Ça veut dire qu'il est important pour nous rester connectés avec le bon Dieu. Débat dit où? Maintenant, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout sacrifié, bon Dieu, lui-même, il a contrôle, il n'a pas de problème. Vous avez besoin de faire un check-up pour connaître. Premièrement, est-ce que bien ça, mon Dieu, a parlé? Hein? Est-ce que moi-même, moi, dans la condition, est-ce que moi fais volonté? Est-ce que nous avons bonne relation? Est-ce que moi obéissant? Est-ce que je ne fais pas affaire? Ou besoin qu'on ait si conditions sont réunies pour toujours être capable de faire surface. Les problèmes sont arrivés, pas inquiétés. Les problèmes sont venus, pas besoin de mettre des problèmes seulement, faire mon Dieu confiance. Ou besoin d'agir fort. Ma pas courageux, agir la foi. Quand toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Problème pas capé, quand il arrive, fais mon Dieu confiance. Pendant que vous-même, vous faites devoir en tant que chrétien, vous faites devoir en tant que monde. Vous travaillez. Ça peut arriver pour vous toucher. Ça peut arriver où vous travaillez, vous révoquez. Mais pas jamais découragé. Ça peut arriver là, vous déposez ses vies pour vous relever. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Restez dans la foi, priez. Et bon Dieu lui-même la ouvre porte pour vous. Pas jamais découragé. Pas jamais dit pas capable. Pas jamais dit pas essayer. Il faut essayer à plusieurs reprises. Essayer. Essayer encore. Essayer toujours. Il faut toujours essayer. Mande travail. Cherchez travail. Si vous êtes capable de créer propre travail, créez-le. Si vous êtes capable de créer propre entreprise, créez-le. Pas j'aime garder son monde qui gon moun l'autre bon cap voye kop pou li pour dire tout ou même ou apprêté pour tant moun voye pou non. Et puis moun kap recevoir certaines choses de l'étranger, faut qu'on connaît qui ça pour faire ensemble avec lui, ou pas qu'à gaspiller. Moun nan kap voye pou on joue le kap a gain, on joue le kap a du travail, on joue le kap dans chômage. Faut qu'on bien procurer bien ça que vous gagnez. Ma terme espéré que. Et conforme à Tina Lan, il était satisfait. Et pas oublié, il y a des gens dit ou pas satisfait, mais c'est Dieu d'abord qui veut satisfait. Pendant que je suis satisfait, bon Dieu, ou même toujours une satisfaction pour moi. Même je ne suis pas venu faire plaisir, je ne suis pas satisfait pendant que moi-même, je vais aller en contre de la Bible. Pendant que moi-même, je vais prendre un bâton dans mes crises parce que. Mwen di a fè pam, pa mwen di selon la Bible, pa mwen di sa Bible an di. Mwen di a fè pam, ok? Et sa fè pendant ma parien, yon moun ki ka kontan, yon moun ki ka fâché tout. Men lò fâché, al priye mon Dieu. Lèm di ou bagay ou pa kompran, al écoute le Saint-Esprit, ok? Et tout sa m'ap di la ou ap di ou a la manière de la Bible. Ok? Que mon Dieu n'a capable de bénir ou pas de suivre conforme matinal ou sur Radio Télémotivation Spirituelle avec Zami Vladimir Michel. Maintenant, nous allons passer dans la rubrique présentation de livres. Rubrique ça qui lui-même toujours côté pour vous, il y a un livre côté que nous font survol. Nous avons essentiel livre. Et mais je dis ainsi l'évangile de notre. Frère, notre aîné Jean. Eh bien, c'est dernier l'évangile là. Pas oublier, nous fait Matthieu, nous fait Marc, nous fait Luc. En même nous prenons Jean Konya. Nous finis avec 4 l'évangile. Eh bien, restez connectés, n'a pas tourné pour nous porter Jean pour vous. Eh bien, n'a présenté vous livre ça qui c'est l'évangile selon. Notre frère Jean, Jésus, le Fils parfait de Dieu, le thème. Eh bien, livre ça, il y a 25 chapitres. Il y a 5 divisions majeures.
La première division majeure, c'est chapitre premier, hein, qui est prologue. Là, dans nous une présentation de Jésus comme Dieu. Parole dans l'éternité, parole dans le monde, parole comme révélation. Présentation de Jésus par Jean-Baptiste à ses disciples. Et là, dans nous joindre l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Deuxième division majeure, là, c'est chapitre 2, hein, pour arriver dans 12, là. Qui gagne un ministère public de Jésus. Nous jouons là-dedans tout les sept signes miraculeux, témoignages, Nicodème, à la femme samaritaine, aux juifs, à la femme prise en flagrant délit d'adultère, témoignage de Jésus, je suis de bon berger, onction par Marie, dimanche des rameaux. Et troisième division majeure, là, c'est ministère privé de Jésus. Discours de la chambre haute, lavement des pieds, le chemin vers le Père, la parole et le cep, œuvre du Saint-Esprit, travail des disciples dans le monde. Quatrième division majeure, là, c'est. Troisième, là, c'est à partir du chapitre 13 pour y venir dans 17, là. Quatrième, là, c'est sorti dans chapitre 18 pour y venir dans chapitre 19, là. Nous jouons là-dedans passion, arrestation, jugement, crucifixion, mort. Eh bien, nous allons voir Jésus reste le maître. Et puis, pour en terminer, post-lude, qui c'est dernière division majeure, là, sorti dans chapitre 20 pour venir à 21. Là-dedans, nous jouons tombeau vide, résurrection, apparition, rencontre avec les disciples, ordre missionnaire. Mais Jésus va dit, je vous envoie en soin de mes promis. Ok? C'est cinq divisions majeures. Nous avons été pour vous cinq divisions majeures. Et bien, l'évangile de Jean était connu par les églises primitives sous le nom de quatrième évangile. Il a vraisemblablement été écrit à la fin du premier siècle entre l'an 85 et 90 après Jésus-Christ. Ok, l'évangile ça lui-même il était écrit en premier lieu pour chrétiens. Ça veut dire il est important pour nous de alors il y a quelques petits bagages pour nous encore sous Jean. Et bien qu'il nous dit où Jean, l'apôtre Jean a consigné et présenter des éléments choisis de la vie de Christ comprenant sept signes miraculeux, un prologue théologique et un certain nombre de discours pour montrer que Jésus n'est pas seulement le Messie, mais aussi le Fils de Dieu. Ok, il est Dieu. Et qu'en croyant en lui, on peut obtenir la vie éternelle. Ok? Jean 20, verset 31. Mais qui message vous capable d'appliquer dans le livre ça? Christ demande que vous preniez position quant à qui il est. Il y a seulement deux possibilités. Le rejeter et mourir dans vos péchés, ou le recevoir et vivre éternellement avec lui en commençant dès à présent à demeurer en lui. Ou il y a deux possibilités. Soit rejeter et ou mourir dans le péché ou bien recevoir et vivre éternellement. Il était connu en même temps pour connaître qui ça qui est important. Rejeter et mourir dans le péché, recevoir ou bien vivre éternellement. Même si on était où, on a choisi recevoir et vivre éternellement. Mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour nous être ensemble avec vous, pour nous porter pour vous le confort matinal, que bon Dieu nous est capable de continuer à bénir, que bon Dieu nous est capable de fortifier la vie, de rester focus, de rester connecté avec Christ, que bon Dieu continue à bénir. Non, pas mes amis, Vladimir Michel, votre serviteur, votre frère, rester connecté sur Radio Télémotivation Spirituelle, pas oublier taper www.radiomotivationspirituelle.ga.
ou bien taper sous Google Radio Motivation Spirituelle ou après toute plateforme ou capable de brancher. Pas oublier nous fonctionner 24/7. Nous toujours l'ouvrir. Depuis que vous avez accès à l'internet, n'importe quoi, vous êtes capable de brancher nous. Voyez annonce, voyez publicité ou ben nous pour nous capable et permettre que l'entreprise vous fait impact et qu'on s'attend à aider Radio en tout. Pas oublier, 14 septembre, c'est la premier anniversaire Radio. Commencez à ranger, commencez à préparer cadeau, commencez à préparer don pour faire Radio. Pas oublier, bagay mon Dieu va kon biti, bagay mon Dieu va kon biti. Et même nous sommes en train de comprendre, préparez-vous pour capable fait don préparer pour capable backup radio parce que backup travail bon Dieu et bon Dieu lui-même il pas suspend béni relé ou bien écrit dans un numéro qui affiché sous écran pour nous capable rester en contact même qui besoin la prière même qui besoin conseil même qui besoin l'autre aide fait nous part de yo dans numéro qui affiché sous écran que bon Dieu dans grâce capable continuer béni nous rester avec la grâce de Dieu. Merci, bon Dieu bénis-nous.